Et bonjour à tous et à toutes after, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, un petit vlog. Alors c'est un petit vlog histoire de vous recentrer un petit peu sur les choses qui s'est passé ces derniers temps. Et donc cette première semaine de chaîne déjà, merci à tous d'être là, en tout cas, parce que j'ai vu quand même pas mal de commentaires, il y a pas mal de likes, il y a pas mal de soutien, ce qui me fait extrêmement plaisir. Et deuxièmement, j'aimerais bien vous parler un petit peu des séries et vous parler du nouveau programme spécial pour la rentrée que je vous ai conçu. Alors ça va pas trop changer du programme actuel, mais enfin bon, j'ai quand même ajouté une nouvelle aventure, un nouveau let's play. Enfin, je pense que vous allez voir, parce que pour l'instant, je sais pas encore tout ce que j'aimerais bien faire. Je vais finir tout ce que j'ai prévu, donc tout ce que je vous ai prévu. Voilà, j'ai ma petite fiche devant avec tout ce que je vais faire. Tout ce que je vais vous faire, chaque vidéo, chaque jour, quelle vidéo, et ça je vais vous en parler juste après. Et en même temps, voilà, je vais pas vous parler des prochaines séries que j'ai envie de faire. Je vais vous donner peut-être un petit indice juste après, mais ouais, je vais quand même essayer de garder la surprise, parce que je pense que quand vous allez voir le jeu, vous allez quand même bien aimer. Mais je me suis fait une petite folie ce soir, je me suis acheté un nouveau jeu pour vous faire en let's play. Et donc, bah voilà, je voulais vous faire un petit vlog donc ce dimanche. Je vous le tourne un petit peu avant, donc j'ai pas encore les retours de toutes les vidéos de toute la semaine. Mais, excusez-moi. En tout cas, j'ai déjà les retours de la plupart des séries. Et bah voilà, je voulais juste vous dire merci. Merci parce que même si on est une petite communauté, vous êtes là. Et c'est ça le plus important pour moi. J'ai pas besoin d'une grosse communauté, mais j'ai peut-être une petite communauté, mais vous êtes là, vous êtes présents. Enfin, faut pas croire, hein, je retiens ceux qui commentent. Il y a quand même pas mal de commentaires sur chaque vidéo. Ça me fait hyper plaisir. Et bah j'espère que ça va continuer. J'espère que vous serez toujours là au rendez-vous, parce que je vous ai prévu un programme assez serré, je tiens à vous le dire. Alors pour petite info, c'est pas un vlog que je ferai tout le temps, donc je dirais une fois par mois ou un truc du style. Ça, j'aimerais bien faire une petite une émission là-dessus, donc faire peut-être en IRL ou un truc du style, si la chaîne se développe un petit peu, pour vous dire des news, des trucs du style. Et que ce sera fixe à telle date, à telle heure, chaque mois ou chaque toutes les deux semaines ou toutes les semaines, je sais pas. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous demander si vous avez un petit nom sympatoche avec After, donc un petit jeu de mots entre guillemets. Pour faire After et puis un truc genre, je sais pas, hein, c'est pour un... C'est pour une vidéo avec tous des news et trucs du style. Donc si vous avez un nom, voilà, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à mettre vos impressions sur les vidéos d'ensemble et sur ce vlog également. Alors, ce que je voulais vous parler, c'est du programme pour la rentrée. En tout cas, j'espère que vous rentrerez bien en cours, que les vacances n'ont pas été un peu trop courtes. Ouais. Personnellement, je n'ai pas vu passer les vacances du tout. Ça peut paraître bizarre, mais je les ai pas vues du tout passer. Hein. Je conçois même pas qu'on est déjà le 29 août, enfin, le jour où je tourne cette vidéo, donc le 31 août, le jour où elle est postée, le jour où vous la regardez. Et en tout cas, j'espère que votre rentrée se passera bien et que... voilà, vous tomberez peut-être dans la même classe que vos super potes, enfin vos amis, enfin voilà, j'espère en tout cas que ça se passera bien dans l'ensemble. Moi j'espère qu'elle se passera bien, parce que moi je suis aussi à l'école, c'est pour ça que je voulais vous dire quelques infos à ce point là. Je vais essayer de tenir un rythme constant de vidéos, c'est-à-dire une à deux, j'essaierai toujours de tenir deux vidéos par jour, parce que c'est vraiment un peu pas le concept de la chaîne, mais ouais, entre guillemets, c'est des let's play, mais avec plusieurs rendez-vous sur la chaîne, quoi. Donc, avec des différents let's play, ceux qui viennent pour regarder, par exemple, tel let's play, vous savez à quel jour ça va être posté, à quelle heure, quel jour, voilà, je pense que vous me comprenez.
Et donc voilà, bah, j'avais envie de vous dévoiler un petit peu le programme et je vous dévoilerai même le nouveau let's play qui va arriver à la place, enfin à l'heure et à la place de ce vlog. Parce que j'étais censé, alors que je me souviens plus vraiment, mais je pense que j'étais censé, ouais, voilà, le dimanche faire autre chose. Je vous en parlerai un petit peu par la suite de la vidéo. En fin de vidéo, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, on va d'abord passer au petit programme de chaque semaine qui va t'arriver. Alors, pour commencer correctement la semaine, le lundi à midi, vous aurez un épisode de Roasted Cave avec Altor, un super ami. Enfin voilà, vous l'avez vu dans les épisodes. Pour l'instant, enfin les prochains épisodes, je sais pas si vous allez peut-être les apprécier, mais peut-être rager un petit peu parce que c'est plus un peu du fail. Mais normalement, dans les prochains épisodes, ça ira quoi. On y arrive. Mais c'est vrai que c'est un peu dur quand même, donc faut nous comprendre, étant donné qu'on n'est pas très habitué là-dessus. En tout cas, voilà, le lundi à midi, un épisode de Minecraft Roasted Cave. Et à 17h, un épisode de Metro Last Light. Voilà, moi j'adore cette série parce que elle est. Enfin, Metro Last Light, je trouve vraiment. C'est une tuerie ce jeu. Apparemment, il est court, mais. Voilà, j'espère en tout cas qu'il vous plaira et puis qu'il sera pas trop court parce que voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Alors, le mardi, ce sera Hearthstone à midi, donc l'aventure Hearthstone à midi. J'ai vu qu'elle vous plaisait aussi, bah, comme les let's play, et ça me fait super plaisir. Donc à midi, retrouvez un épisode de l'aventure Hearthstone. Donc voilà. À 17h, vous pouvez retrouver sur la chaîne un épisode de The Forest. Voilà, comme ça, j'ai vu aussi qu'il vous plaisait et ça me fait super plaisir. Moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à tourner sur The Forest. Peut-être que je suis un peu trop concentré dans le jeu et donc je n'arrive pas vraiment bien à commenter. En tout cas, je vais essayer d'arranger ça. Mais voilà, je vois que vous appréciez quand même, donc ça me fait super plaisir. Passons au mercredi. Le mercredi, ce sera à midi Galacticraft. Voilà, Galacticraft, la série. J'ai vu que le premier épisode vous avait vraiment énormément plu. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc, à 17h, vous retrouverez un épisode de Shield of Light. Un jeu que moi j'adore particulièrement. Vous, peut-être moins, parce qu'il a peut-être été vu ou revu, mais. Moi je l'adore et j'ai vraiment envie de le finir parce que c'est vraiment une tuerie niveau graphisme et l'histoire est vraiment pas mal non plus. Donc niveau graphisme c'est vraiment une tuerie et je veux le continuer, je vais le finir ce jeu. Voilà, d'ailleurs on avance plutôt bien, petit spoil. Voilà. Et à 22h, si j'arrive normalement, ce sera un Plants vs Zombies. J'ai vu que cette série aussi vous plaisait vraiment bien. On s'amuse bien, je trouve que c'est un jeu détente. Donc à 22h, un Plants vs Zombies. C'est peut-être un peu tard, mais normalement, vous êtes encore debout parce que vous êtes des grands. Non, mais c'est pas grave, sinon vous vous rattrapez le lendemain si vous avez envie de suivre cette série. En tout cas, elle sera postée à 22h, un épisode de Plants vs Zombies. Voilà, donc le jeudi, un épisode de l'aventure Hearthstone. Donc ça fera le mardi et le jeudi un épisode de l'aventure Hearthstone à midi. Et à 17h, encore une fois, un épisode de The Forest. Le vendredi à midi, un épisode de Minecraft sur Roasted Cave. Et un épisode à 17h de Metro Last Light. Voilà, 17h comme d'habitude. Donc ce sera le lundi et le vendredi pour ça. Pour le samedi, ce sera un épisode de Minecraft les After Défis à midi. Voilà, à midi, comme ça vous laisse une belle tranche d'horaire. Enfin, c'est une belle tranche horaire, je trouve. La moyenne des gens. Enfin, moi, en tout cas, pendant que je suis en vacances à midi, je dors encore. Parce que je vais coucher tard. Mais sinon, je me lève à 5h du matin pour aller travailler généralement. Le samedi pendant l'année. Enfin bref, à 17h, un épisode de Shield of Light et à 22h, un épisode de Plants vs Zombies. Comme ça fait deux épisodes par semaine. Je trouve que c'est correct et que comme ça, on peut avancer correctement.
et le dimanche, un épisode de Galacticraft à midi et un épisode de Roller Coaster Tycoon 3. Donc le 3 à 17h, c'est le Platinum, je pense. C'est ça, Roller Coaster Tycoon 3 Platinum à 17h. Je pense que c'est ça. Je me le suis pris il n'y a pas très longtemps sur Steam. Donc j'ai vraiment envie de vous le faire. Je ne sais pas si ce sera un... Enfin, ce sera en tout cas une aventure, un let's play. Je ne sais pas comment j'appellerai ça. Mais en tout cas, ce sera le dimanche, donc un épisode par semaine du Roller Coaster Tycoon. Mais ce sera un gros épisode, je pense. Ou soit ce sera un épisode de 20 minutes, mais avec quelques coupures. Enfin, je ferai genre. Moi, je tournerai pendant 40 minutes, 1 heure. Et je couperai que ce soit pas trop long. Enfin bon, je verrai comment je vais procéder pour ça. Pour l'instant, on va commencer en aventure suivie et puis après on verra. Voilà, selon les avis de tout le monde. Voilà, alors, je vais vous parler un petit peu du futur de la chaîne. Ça va continuer, je vais essayer vraiment m'appliquer et garder ce rythme de 2 vidéos par jour, 2 à 3. Si j'y arrive pas, j'espère toujours garder une vidéo. Ça, j'ai jamais eu de problème avec une vidéo par jour. Enfin, jamais eu de problème. C'était avec Minecraft, donc c'était un peu dur. Fallait que je travaille sur les séries, des trucs du style. Là, c'est des let's play. Il faut que je travaille un minimum aussi sur la série. Mais je veux dire, c'est un peu plus cool à tourner. C'est un peu plus... c'est allez, let's go, quoi. On tourne. Et c'est pas, par exemple, des heures de préparation derrière. C'est surtout ça qui faisait que j'avais du mal à suivre une vidéo par jour avec Minecraft. En tout cas, là, j'avance bien sur les séries. Je commence à tourner en avance parce que, voilà, pour la rentrée, il faut que je sois au top. Il faut que je réussisse cette année. Et il me restera encore, je sais plus combien d'années, mais en tout cas, j'ai envie de faire des grandes études. Et j'espère que la chaîne se développera. Si pas, je continuerai quand même parce que j'ai ma petite communauté derrière et puis j'apprécie vraiment énormément tout votre accueil et votre soutien, que ce soit par commentaire, par like ou sur Twitter, parce que je vois qu'on est de plus en plus sur Twitter et ça me fait vraiment quelque chose parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, bon, merci à tous en tout cas, voilà pour ça. Pour le futur, comme j'ai dit, je vais essayer de tenir le rythme et je vais peut-être soit me prendre un nouvel ordinateur, parce que je pense avoir travaillé assez pour m'acheter un ordinateur de qualité assez bientôt. Ça fait un an et demi que j'économise, donc il serait temps. Et sinon, bah non, ça va faire quelques... ça va faire 6-7 mois, enfin je sais plus, en tout cas on s'en fout. C'est pas ça que je voulais dire, c'est que soit je vais prendre un ordinateur, soit je vais prendre une Xbox One. J'ai hésité entre la PS4 et la Xbox One, pour finir je vais aller sur la Xbox One parce que j'ai plein d'amis sur Xbox One. Donc la Xbox One avec un AVerMedia, un casque micro assez bon et un nouvel écran, histoire de vous faire des vidéos sur FIFA 15, parce que c'est vraiment un jeu que... FIFA, c'est vraiment un jeu que j'attends. Assassin's Creed Unity, un jeu que je vais acheter. Il y a plein de jeux, voilà, sur Watch Dogs, j'aimerais bien l'acheter aussi, même s'il est vu et revu sur Internet, j'aimerais bien l'acheter, peut-être vous le faire en let's play. On verra, de toute façon, pour l'instant, il y a quand même pas mal de jeux qui m'intéressent sur Xbox One, donc je vais prendre la Xbox One. Et enfin, je sais pas, j'hésite entre un PC ou la Xbox One avec tout le matos d'enregistrement. Et puis voilà, hein, je pense que tout est dit. Voilà, merci à tous. Ce que je voulais faire, oui, à la place de Roller Coaster Tycoon avant, c'était que je regarde, c'était... J'ai vite fait retourner dans mes dossiers là. Ça devait être. Ouais, voilà, c'était des découvertes de free-to-play. Je voulais faire ça avant. Ouais, voilà, je me disais, c'est pas mal. Mais j'ai essayé de vous enregistrer ça. Donc à la base, c'était pas ça jusqu'à quelques heures. J'ai essayé d'enregistrer. Ça fonctionne pas sur je peux pas faire de vidéo dessus. C'est assez bizarre sur le jeu que je voulais vous faire. Donc je vais d'abord vous faire un let's play. Après, si j'ai une machine un peu plus puissante ou des trucs du style, j'essaierai de vous faire des petites découvertes de free-to-play que j'aurais choisi, expérimenté, que j'aurais vraiment regardé et découvert par moi-même et recherché. Comme ça, je vous le présenterai entre guillemets.
Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'aurait pas été trop longue. J'ai pas vu le temps passer, j'ai commencé à parler. Mais voilà. Et puis j'espère que, en tout cas, elle vous aura plu, que vous êtes au courant. Et puis que maintenant, bah, libre à vous de regarder les séries que vous voulez et de venir commenter, voilà. En commentaire, j'aimerais bien que vous me mettez un petit jeu de mots avec after et un truc pour représenter un vlog ou un truc du style. Pour l'instant, j'ai juste marqué vlog important. Enfin, je sais pas, je mettrai un titre comme je mets d'habitude, hein, voilà. Et puis j'espère que vous serez toujours en rendez-vous. Et puis bah voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et enfin ce petit vlog. Et on se retrouve donc demain. Il y aura pas de vidéo ce soir parce que le dimanche j'en fais que deux. Que deux, c'est déjà bien. Et voilà, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine. Je parle comme si on était dimanche. On se retrouve demain pour une nouvelle semaine. Qui va être riche en émotions, puisque déjà de 1, beaucoup de vidéos, de 2, rentrer à l'école, parce que moi j'avais hâte aussi de rentrer à l'école, mais pas tout de suite, mais bon bref, et puis voilà, j'espère en tout cas que vous vous plaisez sur ma chaîne, et puis je vous invite toujours à me follow sur Twitter, c'est là que je suis assez présent et plus proche de mes abonnés. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne semaine à tous. Allez, à très bientôt.